Ils ont manifestation à faire. Au fait, ils font peur à nos frères qui sont dans les universités. Ils font peur, fait si là même. Quand ils les voient là, ils ne descendent même pas à étudier. Ils semblent aller vers les mois de Bagavé là. Ils descendent à les vrais voyous. Sinon, il y a deux, il y a des simples. Il y a deux cadres du pays, c'est-à-dire que de la future génération politique ivoirienne, qui sont sortis de la FESI. De par M. Soro, qui va faire Guillaume et Chablé Goudé. Fais-y là, si tu veux. Quand tu vas là-bas, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Chacun est appelé à une place. Maintenant, il y a des gens qui ont choisi. Souvent, là, c'est des badauds. D'autres, il y a des badauds. Les gens font. Moi, il dit que John, en guise de me répéter, Makelele, les histoires des chaises dont tu parlais là, c'est normal. Lorsque le BEN, ou bien même le bureau national, ou bien le bureau même d'un collège, est invité dans un autre collège, normalement, on garde les chaises et le service de sécurité. Tu comprends? Le service de sécurité est appelé à surveiller les chaises pour ne pas que quelqu'un s'asseye là parce que c'est le. Merci beaucoup. Motion d'abord. Attends, je reviens. Parce que c'est tellement fort. C'est normal qu'un élève, quelqu'un qui ses parents paient son école à 2, 3, 10, 20 millions, va à l'école et qu'un homme lui dit surveille ma chaise. C'est normal. Motion. Attends, il y a quelqu'un qui a une motion. Vas-y pour la motion. Yannick. Moi, il n'y a pas parlé d'abord. Parce que, moi, ok, vas-y. Attends, Yannick, vas-y, Eman. Les Morocs qui sont dans Faisi, qui supportent les Faisi là. Et on dit qu'il est porté, hein, il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents crous de façon illégale de libérer les dites chambres en apportant tous les effets qui leur appartiennent dès ce mercredi 2 octobre 2024. En guise de démarrage de cette opération, dès ce jeudi 3 octobre 2024, à 12h, c'est-à-dire dans 6 minutes, les agents... Attends, Eman, j'ai pas vu ça. Ça, c'est maintenant, c'est récent alors. J'ai pas vu ça. Voilà, c'est récent. Donc, moi, ça t'est libre. S'il te plaît, relis encore. Voilà. Hein? Merci beaucoup. On dit qu'il est porté, il est demandé aux étudiants occupants les chambres des universitaires des différents crous de... La dite, hein, occupant les. Je vais répondre, pardon, je me fais blesser. John Togbaré! Oh! Et on dit qu'il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents crous de façon illégale de libérer les dites chambres en apportant tous leurs effets personnels dès le mercredi 2 octobre. C'était hier qu'on leur avait dit ça. Donc, en guise du démarrage de cette opération, dès ce jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, le 3 octobre 2024 à 12h, les agents du crew A1 auprès des forces de l'ordre veilleront à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. C'est une information qui est signée du gouvernement et ça, c'est pas à discuter. La FESI sera dissoute. La FESI, c'est tout. Quand tu parlais, tu n'étais pas coupé. Tu ne m'as même pas salué déjà, petit. Frère, tu sais, tu connais, c'est famille. Non, tu ne m'as pas salué tout à l'heure. C'est mon fils Diaz, je parle à mon fils Diaz. Moi, j'ai dit que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement sérieux qui apporte des résolutions. C'est pas. Depuis que moi j'ai eu mon CP en 93. J'ai connu ce qu'on appelle FESI. J'ai subi, comme moi, certaines personnes ont subi la FESI. On partait à Benjerville. Baka a fait à cogner un élève. C'est grève. Quand tu rentres, tu as marché à genoux du terminus 49 de l'école de police jusqu'à rentrer dans la cité universitaire. Et quand tu rentres là-bas, ils ont un salon. Le salon, c'est les anciens bus là, derrière là-bas. Nos mamans. Qui vont travailler, qui vont vendre sur les lieux là, qui vendent sur la route là, qui vendent de l'eau, elles n'ont pas le droit de s'asseoir, les vieux fatigués, même les gens de la côte là. Gaffe, une émotion. Jono, voilà un futur cadre du pays, il y a visa d'étudiants. Attends, cette histoire là non. Mais Ramos, toi tu es un perturbateur, laisse-moi après, tu vas pas tuer. Non, attends d'abord, moi je veux que John n'a qu'à faire vidéo en venir dénoncer, n'a qu'à dissouffler ici, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'étudiants doivent avoir un visage comme ça là, moi ça me dérange. Il a dit, John, quand tu quittes à Benjerville, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu as les soirées d'Abidjan. Quand tu rentres à 18h, tu as pris ton bus spécial, tu rentres, tu arrives en face de la RTI là. On dit, fais-y à bloquer. La gare Nord est bloquée.
Nous là, on est enfant, on est étudiant, on est élève, on est quitté, on est parti travailler, on est parti à l'école, on revient, il y a quelque chose de parti à Abidjan, on doit subir ça. Les mamans, les papas doivent subir ça. La fessie n'a jamais respecté. Autant de soukoutes, mais moi j'ai vu. Où les gars sont cagoulés, en pleine journée, ils sont cagoulés. Tu ne peux rien leur dire. Ceux-là ont régné. Chabien. Les gars, Dieu merci, tu as lu le communiqué. Moi, j'ai le communiqué en face de moi. Donc, ça répond à beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec la dissolution de la FESI. Je voulais dire à mon frère Ramos, est-ce que tu sais que le président des jeunes du RDR, et il dit RDR encore, RADP, Kone Mamadou, est issu de la FESI? Le président actuel de la FESI. Même si Ado était FESI, on dit, on ne veut plus voir ça. Les étudiants qui font peur à nos frères qui sont à l'université, mon frère. Un étudiant doit être présentable. Un point, un trait. Même si Gbagbo ou Ado était fessiste, aujourd'hui, on ne veut plus. On va remettre ça encore à politique. Parce que moi-même, là, j'ai vu un communiqué sur Sinclair qui, au départ, avant d'être président, il était devant FPI. Une fois devenu président, il est devenu RGP. Mais est-ce que là, c'est l'heure de parler de ça? On parle maintenant. Tu te parles, tu te remets ça sur RDR. Tu as fait encore un autre discours. Ce sont les gens de société civile. La société civile là, qui devait être un équilibriste, qui devait équilibrer les débats, c'est ceux-là qui accusent un parti politique et qui laissent d'autres partis politiques. Ne s'occupe pas de la société, ne s'occupe pas des victimes, des disparitions des étudiants, ne s'occupe pas des faits qui étaient une matière, qui ont tué les enfants des gens. Les enfants des gens sont levés un matin, sont battus à l'école. On les a fait une revue. Les enfants des gens sont battus à l'école. Ils sont plus revus. Ça va qui a parlé des RDR? Ce sont même les modérateurs. C'est quoi ça là? C'est quoi? Jamais vous laissez quoi? On peut pas parler un petit peu, tu vois, ton temps de parole, je vais te laisser parler, même pas ouvrir mon micro. C'est moi qui ai la parole. Frère, allons en profondeur, vas-y. Voilà, des gens qui ont disparu. On a vu des femmes violées, des filles violées à cause des chambres. La société civile s'est jamais levée pour ça. Mais ils vont venir ici attaquer un parti politique en train de faire le travail de ce que devait faire la société civile. La FESI est une grosse mafia qui a perturbé notre culture solaire, qui nous a meurtri. Tous ceux qui sont entrés dans la FESI là aujourd'hui là peuvent témoigner. Ils seront appelés là-bas. Tous, même ce monsieur que tu viens de citer là, un jour sera appelé là-bas. Aujourd'hui là, c'est à cause de ces nombreux témoignages là aujourd'hui que le gouvernement qui est là actuellement, c'est un gouvernement responsable en train de rayer hein, la fessie de la carte. Parce qu'il faut comprendre que la fessie a meurtri des femmes qui étaient sans défense. Nos sœurs qui avaient dit qu'on dit que étudiants, bravo. Quand ils arrivent à l'école là-bas, là, on les mougou cadeau, des viols collectifs. On les vend aux professeurs. Les professeurs là-même ne font même pas nous apprendre nos matières. C'est les délégués. Des maîtrisards qui vont venir faire des cours. Quand tu vas regarder Ruby à 13h, ton professeur, il est au Canada. Il est aux États-Unis en train de donner des cours là-bas aux Blancs. Pourtant, et ça, c'est la FESI. Tout ça, c'est la FESI. Parce que les professeurs... Tous les professeurs d'université sont des agents de la FESI. Tous, il n'y a pas un qui n'est pas dedans. Il n'y a pas un qui n'a pas plébiscité la FESI. Tous les délégués à l'université sont des agents de la FESI. Tous, tu n'es pas délégué, tu n'es pas de la FESI. J'ai un tableau noir. Attendez, tranquille. Herman va chuter, il va chuter rapidement. Vous allez répondre, car tu as parlé. Tous les délégués des amphis de toutes les facs sont de la FESI. Les professeurs, là, ils font des simulations où ils se font gifler par un élève de la FESI et après, là, ils sont assis en train de boire billets, les voix ensemble. Mais c'est quoi ça, là? Est-ce que ça, c'est notre école? Champion, toi, tu es un menteur, champion. Pas arrêter de parler. Vous êtes des enfants, vous ne comprenez même pas c'est comment ça fonctionne. Moi, qui ne savent rien de la FESI. Quand il y a eu mon bac en 2005, celui qui a eu son bac en 2005 ici, là, quand il parlait avec moi, pas vous les enfants là. T'as dit ton bac en 2005, arrêtez de bloquer mon micro, t'as dit ton bac en 2005, toi ta tête André pour chose là.
Kara, j'ai une question pour toi. Kara, j'ai une question pour toi. Non, 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 attends, attends, laisse, attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey, voilà. Regardez comment elle est jamais s'exprime encore. Regardez, arrêtez de bloquer le micro des gens. C'est pas en place là. Tout le monde doit s'exprimer. Tout le monde doit prendre la parole, pardon. Les gars, vous allez prendre la parole. Attendez, Amosio, attends, je vais fermer le micro d'Amosio. Vous allez prendre la parole. Mais il y a un problème qui est là, c'est fondamental. Faut pas qu'on reste là en train de surfer à côté. La fesse est un Kara, comme toi tu as parlé, Kara, comme toi tu as parlé. La fesse est un problème pour nous tous actuellement. La fesse n'arrache personne. Tu dis que ouais, Saint-Clair était mieux, Fijas était mieux, tout ça là, c'est la même chose là. Et tout ça doit partir. Macré, Léo, Fijas, même vieux sorcier, même personne qui est parti là. Tout cela doit plus être dans nos écoles. John, t'appelais les lacours, la fessie, la fille, moi, ici. Ouais, ça, c'est les lacours. Non, attends. C'est les vrais lacours, même. Une autre. Ceux-là, même, là, t'as les voix, ils partent. Ils mettent ta bouche, hein. Les gars, attendez. Attends. Toi, tu mets ta photo. Eman, faut laisser. Eman, calme. Faut laisser. Je sais pas qui a fait son micro, mais c'est pas grave. Eman, le laisse. Je suis pas en avatar. Je suis pas en avatar. Vous allez parler. Non, pas de questions à Kara, sinon après, ça sera un monologue. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, il va répondre, c'est pas lui de parler. Attends d'abord, je vais faire quelque chose rapidement. S'il vous plaît, la fête n'arrache personne. Revenons dans les sujets. Voilà. Si je vois mon frère, à mon soeur qui me dit que ouais, c'est normal, il dit bien, c'est normal qu'un élève surveille la chaise d'un autre élève, il y a un problème. Et c'est la discipline. Ah, c'est la discipline. T'as vu ça dans quel pays? C'est le syndicat. C'est le syndicalisme. Attends, c'est moi qui avais la parole. Et puis après, grâce à Eman. Voilà. Donc, Eman, attends. Calme-toi. Oui, il est dans les paroles. Il va lui poser la question, moi, il va répondre. Calmez-vous, vous allez parler. Moi, je trouve que c'est normal de voir. Je commence le boulot bientôt. Laisse-moi te parler et descendre, pardon. Pardon. Non, bon, attends. C'est pas normal. C'est normal que moi, je paye mes 20 millions, mes 10 millions, pour amener mon enfant à l'école. Mon enfant arrive à l'école. Daouda demande qu'il veut monter. Ok. Il y a une place, Daouda monte. C'est 20 millions là. Daouda veut monter, John. John, Daouda veut monter, s'il te plaît. Attendez. On fait une discussion correcte. Pour laisser les effectifs des gens là. On va faire une discussion normalement. Je peux s'y donc, c'est pas grave. Ok, Daouda est monté. Le truc, c'est quoi? Ne restons pas là à dire que c'est normal, c'est pas normal les gars. Et puis dis que ouais, c'est syndicaliste. Non. John, tu payes 20 millions ton enfant pour aller à l'école, et puis John, ton enfant c'est 20 millions là, il s'en sur une chaise. Je réponds pas de fausses personnes à rentrer dans la fessie. Ça déjà faut le savoir. Tous ceux qui décident de rentrer à la fessie, ils rentrent de manière volontaire. Et à la fessie, il y a un statut, il y a un règlement et il y a des règles à suivre. Donc celui qui est rentré dedans et que dans son détachement, lorsqu'on fait le ben, dans le bureau aussi, il a la sécurité. Mais il sera en train de surveiller les chaises des dirigeants. C'est normal. Il n'y a rien de tournant dedans. C'est comme dans les gouvernements. Le président, il a son garde de quoi rapprocher la personne à qui il fait confiance. Il y a un truc qui est clair qu'il faut que vous compreniez. Qui dit fessie, dit wari. Partout où il y a l'argent, il faut toujours avoir quelqu'un de confiance auprès de toi. Parce que regarde ce qui est arrivé qui est déplorable pour les grands frères sorciers. Tu vois, partout où il y a l'argent, il faut être protégé. Donc, on ne force pas quelqu'un à rentrer dans la fessie. Si tu es rentré dans la fessie, c'est ton libre choix. Moi, quand j'étais secrétaire général au collège, c'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'aller rentrer à la fessie. Et au collège, c'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que je connais les grands frères Maké Lélé. Tu avais quel âge au collège, frère? Tu comprends? Je connais les grands frères. On n'est pas venu faire ça. Tu avais quel âge au collège? On n'est pas. Tu comprends? S'il vous plaît, John. Mais pas Daouda, je chute. S'il te plaît. Voilà. Donc, on n'a pas demandé à quelqu'un. J'y étais. Mon petit frère, il était. Mon grand frère, il était. Tu comprends, père, là, au collège, là, t'avais quel âge pour avoir une maturité? Tu fais mon extrait de naissance ou bien c'est quelle question? Non, je voulais te parler. Ah, frère. Ah, tiens, ça, on était servi. Il y a comme m'arrêter si tu as vu qu'il y avait quel âge? Âge, joli, beauté, c'est quoi? Ça va être quoi? T'as pas quand même mon âge. Ça va être tout ça. Frère, âge. Donc, tu comprends? Tu n'as rien à dire, faut descendre, c'est quoi? Donc, tu comprends? Quand mon grand frère, père à son âme. T'appelles Sandoï, parle avec mon fils. Le général Béanzin, Sékou Touré, pour tous ceux qui étaient à ITA de plateau. Le général Béanzin Sékou Touré, quand il est rentré, ben nous aussi, il a suivi, mon petit frère a suivi, mais ce n'est pas parce que quelqu'un nous a envoyé. Chacun est libre. Et comment il a connu le grand frère Maké Lélé, il était même pour le secrétaire général pour dire que même il allait être même peut-être quelque part. C'est de communication en communication. Et tout le monde a vu ce que le grand frère avait et pouvait porter à la fessie. Après, demain, ça a changé. Mais on n'a pas envoyé quelqu'un là-bas. Mais la fessie aussi,
en tant qu'ancien fessiste, ce n'est pas quelque chose aussi qui est, il y a le mauvais, il y a le bon. Et le mauvais, il est très mauvais. Et c'est ça que tout le monde déplorait. C'est ça que même le général Makelele a décidé. Sous Makelele, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire qu'il y a eu... Non, jamais. Donc, à moi, il préfère que tu laisses moi, mon vieux père à côté de ça. Il n'a rien à voir dans l'être. Il voulait faire l'Assemblée générale en retard, entre janvier et février. La gendarmerie, qui est la criminologie, qui est la gendarmerie de la FESI, c'est eux qui détiennent. C'est eux qui peuvent faire coup d'État comme ils veulent. C'est eux qui détiennent la sécurité de la FESI. Ils ont pris une décision. Il a respecté. Merci, au revoir. Pourquoi aujourd'hui, c'est gâté? On veut parler du coup d'État qu'ils lui ont fait. Non, il a été victime d'un coup d'État parce qu'il n'avait pas fini son mandat. On n'était pas encore sorti de décembre. Merci, merci, merci de venir défendre ton vieux père sur le plateau. Mais c'est vraiment désolant. Encore une fois, désolant. Je vais pas. Non, attends, s'il te plaît, attends. Il y a Yannick qui avait. Ne laissez, s'il vous plaît. 3 minutes plaît. Et puis descend. Donne-lui, vas-y. Donne-lui, vas-y. Non, voilà. Moi, je veux dire. George, oui, attends. En fait, non, s'il vous plaît. Attends, John, je suis en formation, donc je ne pourrais pas durer avec vous. En fait, ok, vas-y. Je vais dire rapidement. Non, moi, je prends le boulot tout de suite. Pardon, 2 minutes, je descends. Descends, Doy. Voilà. Putain. Daouda, s'il te plaît, pardon. Ce que moi je veux dire, c'est que d'abord, le communiqué qui vient de sortir là, ça fait honte de la part du coup. Parce que le crew était censé loger les étudiants. Pour être logé là, tu devais déposer des documents pour être logé. S'il y a des gens qui sont logés et qui n'ont pas le droit d'être logés là, c'est la faute du coup. Donc ce communiqué là, ça fait honte. Ce que je veux dire. Aujourd'hui, là, on se plaint de la FESI. La FESI, en réalité, n'est pas mauvais en soi. C'est le politique qui a transformé la FESI. Les étudiants, la vie des élèves et étudiants, je te jure, hein, John, nous, on a été étudiants. S'il n'y a pas la FESI, là, il y a beaucoup de choses. Les gens, l'État ne va même pas regarder les étudiants. Parce que même pour payer leurs bourses, il faut que la FESI mette la pression. Même pour faire des petites choses, il faut que la FESI mette la pression. Même pour comme on appelle la même là, améliorer l'environnement des étudiants, il faut que la FESI mette la pression. Mais comme j'ai dit là, c'est l'État même qui s'est impliqué dedans, que les politiques là, c'est eux qui ont détruit la FESI. Qu'est-ce que les gens ont fait? La FESI, c'est un mouvement de masse. Et en tant que mouvement de masse là, les gens mobilisent, ils mobilisent. Qu'est-ce que le politique recherche? Le politique recherche la mobilisation. Il veut s'appuyer sur un gars, sur quelqu'un qui fait de la mobilisation. Donc, quand tu vois qu'il y a un mouvement fort comme la FESI, qu'est-ce que les gens font? Les gens s'appuient sur les gars. Les politiques s'appuient sur les gars. Depuis combien d'années, tu as déjà vu FESI revendiquer quel droit de qui? Si tu les vois parler là, c'est parce que leur point n'est pas tombé. Si tu les entends parler, c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur point. Regardez les inscriptions en ligne. La FESI a parlé. Les gars ont fait leur point, ils se sont tués. Les Makelele là. Ils ont fait leur point. Merci, d'aller 2 minutes, merci beaucoup. Merci, vas-y, Dada va parler. Ma mouton chape chapeau, ben. Dada dit la mission, Dada va parler, s'il te plaît. Oui, mais Dada, lui a décortiqué, moi, c'est ma mouton. Vas-y, madame. En fait, excusez-moi, pardonnez. Dada, vas-y. En fait, ce que je vais vous expliquer, très rapidement, je sais que vous m'entendez. C'est que la fille qui est née dans la souffrance, dans la douleur et dans beaucoup d'amertume dans les années 90, c'était donné pour mission de défendre les droits et les intérêts des élèves et des étudiants. Au début, il faut le reconnaître, la FESI a fait de bonnes choses, de très bonnes choses en Côte d'Ivoire ici. Je pense que pour tout jeune aujourd'hui, leader d'opinion, ça et là, nous, on a tous participé quelque part à la croissance de la FESI. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, le monsieur qui parlait tout à l'heure, Sandoï, il a dit quelque chose qui n'est pas faux. La FESI a commencé à avoir des comportements déviationnistes. Pourquoi? Parce que le politique a commencé véritablement à instrumentaliser la FESI. Et ça, ça a commencé véritablement dans les années, si vous vous rappelez bien, quand les étudiants ont commencé à marcher, où ils ont crié en son temps, il faut voleur. C'est vrai que c'était pour changer les choses, mais après, quand la politique est rentrée dedans, ça s'est gâté. Dans les années 2000, à l'élection présidentielle de 2000, sous Laurent Gbagbo, entre Laurent Gbagbo et Guy Robert, mais la FESI a pris fait et cause en son temps pour le FPI de Laurent Gbagbo. C'est un fait. Nous tous, on a été transportés dans des voitures, dans des bus, pour aller dans des meetings.
en 2010, ça s'est exacerbé, où on partait dans tous les meetings pour aller remplir les meetings de Laurent Gbagbo. C'est un fait. Donc aujourd'hui, le politique a tellement cherché à instrumentaliser la FECI, et la FECI aussi a compris que, en vérité, comme les gens nous utilisent, donc nous aussi on peut se permettre des choses. Donc sa mission d'origine a été dévoyée. Sa mission d'origine a été déviée de sa trajectoire. Donc finalement, on avait l'impression que la FECI faisait la pluie et le beau temps. C'est vrai, moi je le dis, j'ai vu des situations d'injustice au sein de la FECI, mais c'était trop grave. C'était vraiment, 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 vraiment grave. Mais je saute tout ce point-là pour arriver à ce qui est arrivé dernièrement. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait de Makelele. Et moi, je m'adresse personnellement à John. En temps normal, dans cette affaire-là, Makelele n'a absolument rien à voir dedans. Il t'a visé. Il n'a absolument rien à voir dedans. Merci beaucoup. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Makelele, c'est vrai qu'il est parti faire sa campagne n'a pas marché, il a perdu les élections, tout et tout. Il avait demandé à ce qu'on repousse parce qu'il y avait plus ou moins des velléités. John, je ne vais pas tout te dire, mais ce que je vais te dire, c'est que les anciennes mains qui géraient la FECI avant, là, les mêmes anciennes mains là sont revenues encore. Que Dieu les te bénisse encore. Les anciens de la FECI là, que tu connais là, eux tous veulent avoir une main mise sur la FECI. Parce que en son temps. Donc John dit, qu'est-ce que le communiqué de Zier qu'il a fait il y a au moins 3 à 6 mois, Zier a dit la vérité pour dire comme quoi il y a une main noire qui essaie de diriger la FECI à sa place. Je vais pas répondre non, à ta non, question non. De la même, est-ce que Zier a dit la vérité quand il a dit comme il y a une main noire en bas? Zier, il y a 6 mois, est-ce qu'il a dit la vérité? Il y a une part de vérité dedans. Ok, donc le maître actuellement qui a eu dans la semaine, Zier peut être innocent. Vraiment, comme l'affaire en instruction, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais si tu me laisses développer... j'ai pas dit qu'il est innocent. De toute façon, tant qu'il n'est pas jugé, il y a toujours la présomption d'innocence. Mais, voilà, mais laisse-moi expliquer un peu, tu vas comprendre mieux. Ok, vas-y, grand frère. Et ce qui se passe, c'est que techniquement, il fut un moment... Parce que quand Makelele, ils ont tout fait pour bouter Makelele, je ne dirais pas, comment on appelle ça, que c'est un coup d'État. Parce que mine de rien, quand tu regardes les textes de la FECI, techniquement, Makelele était hors délai. Mais on pouvait trouver des circonstances atténuantes à Makelele qui ne lui ont pas trouvé. Mais finalement, lui, il est parti s'asseoir dans son coin. Première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe, parce que nous, on a reçu le camp de celui qui est décédé là, on a reçu ces gars, on a aussi reçu, Cambousier sur le plateau. Ce qui se passe, c'est que quand Cambousier est venu à la tête de la Fédération Institutionnelle Scolaire de Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, il y a certaines sections, lui, il a commencé à dire aux gens que faisons des consensus pour qu'on évite les bagarres. Parce que généralement, les élections au niveau de la FECI, souvent, ça suscite des bagarres inutiles, en fait. Donc, lui, il était pour que les sections fassent du consensus. Mais il y a un groupe qui dit non, tu ne peux pas nous parler de consensus parce que finalement, tu nous parles de consensus, mais ce sont tes gars que tu es en train de d'imposer. Or, ils n'ont pas la légitimité dans les sections où tu veux les imposer. Donc, ça crée une dissension. Il y a un groupe, il y a un groupe qui va au niveau d'Abobo, c'est au niveau du camp. On voit des tchai, souvent, fois, ils s'agressaient ça et là, tout et tout. Moi-même, là, j'ai rencontré Sier dans une cave au niveau de Memoz, le lycée Memoz, la nuit, vers les 23h. Il a dit, Joe, faut essayer de régler cette histoire-là, tout et tout. Essayez de vous réconcilier, ça ne sert à rien, tout ça. C'est pas intéressant. Il a dit que là, il s'est arrêté. Bon. Depuis ce moment, on s'est plus vu, ça fait près de 3 mois, on s'est plus parlé. Et puis, on apprend qu'il y a eu mort d'homme au campus. John, pendant que je te parle là, hier, moi je suis parti à la brigade de recherche et d'intervention pour aller chercher des informations. Je ne te dirai pas de nom, mais ce qui est sorti de la BRI, c'est que techniquement, tu sais qu'il y a eu 2 morts au campus, non? En moins de 2 semaines. Donc, en vérité, généralement, quand la FECI a des problèmes, la FECI a des problèmes avec la police de la circulation ou bien la brigade anti-émeute qu'on appelle communément la CRS. Mais c'est que cette fois-ci, puisqu'il y a eu 2 morts en moins de 2 semaines, mais l'affaire n'est plus une affaire de circulation, l'affaire devient criminelle. Donc, les policiers ont commencé à mener l'enquête. C'est en menant l'enquête sur le premier meurtre qui s'est passé que le deuxième meurtre est arrivé. Attends, rapidement, s'il te plaît. Le lève est signalé, Nina essaie de prendre des gens, mais les gens ils tombent quand même. Donc s'il vous plaît, tapotez le lève. S'ils sont tombés, Nina essaie de prendre des gens, j'ai vu, mais vous tombez quand même. Donc tapotez le lève, s'il vous plaît. Donc on était à la deuxième enquête.
à la première enquête, c'est là qu'il y a eu le deuxième meurtre. Vas-y, Daouda. Voilà. Il y a eu la première enquête parce qu'il y a un secrétaire général d'une section, là, j'ai oublié la section, qui est décédé parce qu'il, bon, il y a une personne en son temps, d'après ce que l'enquête disait, c'est qu'il y a eu enlèvement, séquestration et puis meurtre. Donc, on ne savait pas de quoi il en retournait. Pour les gars, c'était un truc simple. Donc, ils sont en train de mener l'enquête pour voir comment, dans quelles conditions le gars est mort et qu'ils sont allés découvrir un autre corps encore sans vie au CHU de Cocody. John, j'ai vu la photo de sorcier. J'ai vu la photo. Mais franchement, le gars a été découpé comme un bœuf. Il a été découpé à la machette, tailladé partout. Donc, c'est dans ça, les gens disent, bon, ok, comme c'est dans votre coin là que ça s'est passé, c'est là que la police maintenant appelle, comment on appelle ça, Sié Kambou. Sié, vraiment, on est en train de mener une enquête, mais voilà qu'on est en train de tomber sur un deuxième meurtre, tout et tout. Est-ce que tu peux venir pour qu'on puisse t'entendre? Pendant près d'une semaine, peut-être 10 jours, le gars, il tournait, il vient pas. Quand on l'appelle, il vient pas. Donc finalement, les gars lui ont dit, bon, vraiment, ils l'ont rassuré pour qu'il vienne. De base, Sié Kambou n'était pas parti pour se faire arrêter. Parce que quand ils ont discuté d'après les échanges, ce qui s'est passé, c'est que techniquement, le gars lui dit, tu viens ou tu viens pas, donne-moi une réponse. C'est là qu'il dit que bon, je viens avec mes conseillers. Mais dans l'affaire des conseillers, là, il se retrouve à venir avec plus d'une cinquantaine, voire une centaine de personnes. Or, pour ceux qui connaissent bien Abidjan, derrière le campus, là, il y a la gendarmerie, puis il y a la PJ qui est là. Donc les gars, ils regardent dans le dispositif, dans leurs caméras, ils voient qu'il y a un gros mouvement de personnes dans le campus de Cocody, dans les herbes là. Donc quand Kambou s'est descendu avec ces gars, les policiers se disent, bon, ok, et ils sont passés par derrière. Ils ont fait un détour par derrière pour aller fouiller dans leur dos. C'est là qu'ils vont dans leur dos, ils vont découvrir plein de machettes. Je me suis posé la question, mais les jeunes maintenant là, ils vendent machettes ou bien ils fabriquent machettes? Et ils disent que donc, ils discutaient avec Kambou. Ils étaient en train de, dans la discussion avec Kambou, tout était bien. C'est là que le procureur de la République fait son truc tout et tout pour dire qu'il s'est saisi de l'affaire. Et c'est là qu'ils vont arrêter Kamboussier. Il a arrêté avec 6 de ses gars. Donc, comme ils ont été interpellés maintenant, ils sont dans l'obligation de fouiller leurs affaires. Tous ceux qu'ils ont arrêtés, John, quand on ouvre leurs blousons comme ça là, machette. On ouvre leurs sacs, machette. Couteau, gris-gris, bon, on ne comprend rien. John, je vais chuter très rapidement pour dire qu'aujourd'hui, les politiciens ont tellement... Quand je parle des politiciens, il ne faut pas qu'on se menti. L'opposition, en son temps, je préfère dire en son temps, il ne faudrait pas mettre mon nom dans la bouche de quelqu'un. Ils ont tellement instrumentalisé la fessie que finalement, les gens sont devenus hors de contrôle. Excuse-moi, Daouda. Bon, je ne sais pas, hein. S'il vous plaît, partagez ce live-là, Maclélé, si vous l'avez, envoyez ce live à Maclélé, il faut qu'il vienne, on a besoin d'attendre Maclélé. Daouda, partagez ce live-là, qui est de droit, tout le live, partagez ce live-là aux gens, pour que Maclélé monte ce live-là. Maclélé doit venir, parce qu'actuellement, là, on a besoin d'attendre Maclélé. Apparemment, c'est l'homme, l'un des hommes les plus honnêtes, mais pour moi, je l'attaque. Pour moi, il n'est pas clair. Donc, Maclélé doit venir nous parler. Daouda, vas-y. Non, mais sois rassuré, hein, frère, Maclélé n'a rien à voir avec cette affaire-là. Ça se passe même pas entre Maclélé. C'est parce que, comme on est sur un live, je peux pas, il y a des noms que je peux pas citer. Il y a des noms que je peux même pas citer. Il y a des noms là, je peux même pas citer. Pas ici, cite là. Faut pas que l'enquête là, mon nom va sortir dedans aussi. Mais je te jure, frère, il y a trop de ramifications dedans. Parce que Kamboussier était aussi sous l'influence de d'autres anciens. Et il y a d'autres anciens qui étaient contre sa position actuelle. Parce que chacun veut diriger cette fessie là. John, c'est ce que tu dois pouvoir retenir dans cette affaire là. C'est une bataille d'anciens. Qui est arrivé à ce niveau-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pour ce qui est de la mort du gars-là, je ne peux pas dire que la fessie n'est pas coupable parce qu'effectivement, les enquêteurs sont partis à Petro-Ivoire où le gars était enlevé. Ils ont la preuve que le gars était enlevé. Ils ont même des images de ça. Ça, c'est la première des choses. Le gars est venu au campus. Tout ça là, l'un mis dans l'autre, tu vois. Ils vont les auditionner, mais je suis sûr que vraiment, pour moi, hein, il sera difficile pour Kamboussier de s'en sortir. Et j'estime que la fessie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent qu'on dissolve la fessie. Il faut que ça soit dissous. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa dissolution. Parce que non, en fait, ça sera difficile pour Kamboussier de s'en sortir. C'est ce qui veut dire, dans ta tête, pas nous dire les choses clairement. Kamboussier n'est pas clair. Ouais, Kamboussier n'est pas propre dans l'histoire. Kamboussier a PML lié dans le meurtre du vieux sorcier, clairement. Parce que ça va dire pour lui, c'est pas ce que je dis. En réalité, John, si tu es père de famille et que quelque chose se passe sous ta responsabilité, c'est toi qui es le premier responsable. L'affaire s'est passée au campus, c'est toi qui gères le campus.
Parce que nous ne nous voilons pas la face. La fille, c'est la pluie et le beau temps. C'est l'alpha et l'oméga au campus de Cocody. C'est un secret des polichinelles. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant. Donc, il ne peut pas avoir meurtre. Et puis, toi, tu as dit que tu n'étais pas au courant. Tu vois un peu. D'autant plus que les enquêtes disent qu'en fait, mais tu l'as vu avant la mort. Tu l'as vu avant sa mort. Ils sont partis le prendre quelque part, non? Puisque la personne que tu as envoyée pour l'appeler pour qu'il y ait conciliabule, un certain Abdul Karim, allez-y, lis le communiqué du procureur de la République. Le Abdul Karim qui a été arrêté là, dit que c'est Cambousier qui l'a appelé pour qu'il appelle l'autre, de sorte à ce qu'il y ait, comment on appelle ça, réconciliation entre les deux. Mais dans quel coup de réconciliation on passe à un enlèvement, à une séquestration et puis à la mort? Là maintenant, on se pose la question. Cambousier qui demande à l'autre de l'appeler, quand il appelle pour se voir, alors maintenant, elle la raconte. Donc c'est là-bas maintenant qu'il y a un mort d'homme, que l'autre a été décapité, découpé, apparemment même sexe coupé, tout ça. Est-ce que tu sais que le jour où on a reçu les dissidents de Cambousier à la télévision pour qu'ils viennent donner leur version des faits là? Parce qu'on a d'abord reçu Cambousier, et puis quand on l'a reçu, le lendemain, deux jours après, on a reçu les dissidents. Quand les dissidents là sont venus parler là, est-ce que tu sais qu'il y avait eu un contingent de la FECI qui était autour de la télévision? Il a fallu que c'est la police, la CRS et le GEMI qui sont venus pour que les enfants là puissent sortir. Ok, problème, pause, dedans. Vous avez reçu Cambousier à la télé, tout allait bien. Deux jours après, vous ramenez encore d'autres gens venus parler, mais qui sont opposés à Cambousier. Ils arrivent maintenant d'abord locaux à la télé. Tout la MCI est entouré par des jeunes de la FECI. Il y a un problème. Cambousier, je voulais essayer de blancher ce monsieur, mais Daouda, en t'entendant parler encore plus, Cambousier n'est pas clair. N'est pas propre. Il y a un problème. Deux jours après, Cambousier en sec. Et puis Cambousier en sec, tout vos locaux là-bas. Il y a un problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, j'ai vu des membres de la FECI venir là-bas. Il a fallu que la police vienne sortir les gars que nous avons reçus. Je n'ai pas dit que c'est Cambousier. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en bas qui enregistrent. Donc les mots là, ça passe. De toute façon, que tu veux que ça sorte là, ça sortira pas comme ça. On peut parler. Non, tu sais que moi, John, mais mettant pour toi, Politico Jantara, étant pour toi, donc je pose les questions. Ta question n'est pas précise parce que j'ai une question. Tu mets les mots dans ma bouche, ça passera pas. Ok, il y a un monsieur, attends, il y a un monsieur qui est acteur de tout ça, qui a vécu tout ça, qui était présent de tout ça, qui ne sait pas si c'est Yann Dossé. Voilà, pas depuis, il dit fais monter. Yann Dobé, voilà, Yann Dobé doit être acteur, il doit au cœur de l'histoire, il va monter, il est déjà là, il va nous parler. D'accord, je suis rapide, on va faire l'émotion avant qu'il va parler. Ok, vas-y, on fait l'émotion d'abord. J'ai fini rapidement, je descends, je vais au cours maintenant. En tout cas, merci pour l'information, merci de nous avoir donné maintenant 1000 sur le Yann Dobé, vas-y pour ta motion très rapidement. Ma motion, c'est... Yann, pardon, comme tu as dit tout à l'heure, John t'a demandé, certaines personnes disaient qu'il faut qu'ils ont dissoudre la FECI quand tu n'es pas trop d'accord. Ok. Moi, pourquoi j'ai mis la photo sur mon écran? Parce qu'il y a un frère qui était ici, il s'appelle Kara, il disait à l'étude que elle s'est étudiée au campus et puis il va parler de la FECI. Or, il oublie que c'est une histoire qui concerne tous les Ivoiriens. Dieu, quand moi je regarde les images que j'ai sur mon profil là, est-ce que c'est le reflet réel d'un étudiant? Des étudiants, les gens qui sont des futurs cadres d'un pays, qui ont des visages masqués et toujours en train de marcher avec des machettes, vieux père. Est-ce que pour toi, on peut pas, ce ne doit pas être dissous avec cette image-là? Dieu, est-ce qu'un étudiant doit faire peur ou un étudiant doit être présentable? Moi, je n'ai jamais vu dans un pays au monde où des étudiants sont comme ça, à part la Côte d'Ivoire. Non, en fait, je comprends aisément ton point. Yannick, ton micro, pardon. Je comprends aisément ton point. Yann Dobé, ferme ton micro, je te prends directement après Daouda, s'il te plaît. Yann Dobé, voilà. Voilà. Je suis d'accord. Après, j'ai une motion, après, et puis je descends pour laisser la place. Vas-y, on fait simple. On va prendre les motions. Daouda va vous répondre tous les deux, et puis maintenant on évolue. Vas-y, Yann, ta motion. Daouda, tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est une information très pertinente, et puis il n'y a même pas de débat à faire. Déjà, quand on parle de mort découpée, comme la viande, la chair à canon, un étudiant, il n'y a plus de motion. Cette mafia-là ne doit pas exister. Maintenant, quand tu dis que
C'est vrai, un temps soit peu, parce que moi, ce cara-là, je sais que quand moi j'étais étudiant, il ne pensait même pas qu'il allait avoir même son CP déjà, ni avoir son BPC pour arriver une fois à l'université. Aujourd'hui, quand on parle de mort estudiantine causée par des étudiants sur un étudiant, ça veut dire qu'il y a un travail mais minutieux à faire. Et quand tu dis que la FESI ne doit pas être dissoute, c'est quoi la solution que tu apportes pour qu'il y ait encore une souplesse dans ce syndicat-là qui doit arrêter de traumatiser les filles, les enfants et aussi les étudiants, des élèves qui sont en train d'entendre ça aujourd'hui parce qu'ils écoutent. Hein, nous, toi, tu es un journaliste ou un chroniqueur, mais il y a des enfants qui regardent et puis qui entendent ces émotions-là, qui entendent beaucoup d'histoires, qui voient ça, qui entendent dans le quartier. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme résolution dans cette fédération-là pour ne pas qu'on puisse encore s'asseoir sur le panel des gens et puis dénoncer cela? C'est ma motion qui est là. Non, n'oublie pas ma motion aussi, il y a l'image qui est montrée là. Si c'est normal, si c'est présentable. Ok, attendez, on va parler de la motion d'Isaac. Après, on va parler de la motion d'Isaac Massi. Vos deux motions se rejoignent en fait. Ok, attends, vas-y Isaac. Ok, merci beaucoup. Grand frère Daouda, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai écouté même dans ton émission, j'ai bien écouté parce que apparemment. Eman, j'ai pas la tchomba à ta place, j'ai pas descendu, Eman. J'ai pas la tchomba. Vas-y. Contre le fait qu'on dissout la fessie. Merci, si. Moi, ma question, elle est très simple. J'aimerais que tu me dis parce que. À t'entendre parler, tu es beaucoup sachant, tu es un peu comme dans le secret, dans le bois sacré, au fait. Ma question est que, depuis les années 80 que la FESI a été créée, moi, j'aimerais que tu me montres une seule chose, que la FESI a apporté de bien dans l'éducation ivoirienne. Qu'est-ce qu'elle a apporté de bien exactement? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'image que tous les Ivoiriens ont de la FESI, c'est les maîtres. C'est la barbarie, c'est les tueries, c'est tout sauf le bien. Donc, on me dit ici, qu'est-ce que la FESI a fait de bien une seule fois dans l'éducation ivoirienne? Moi, c'est ma question. Merci beaucoup. J'ai bien compris. D'accord. Ça fait exactement. C'est vrai qu'il y a eu trois motions, mais il y a deux motions qui se rejoignent et puis il y a une troisième. Non, Yann, tu parles directement après Dada, Yann, t'arrête pas. Après, tu parles après Dada, Yann, okay. T'arrête pas. Ce que je veux dire dans un premier temps, il faut, Isaac, c'est vrai, tout est dans la vie, là, tout est une question de réputation. Tout est une question de réputation. Quand tu as un sale comportement, même les choses que tu as faites de bien, là, les gens ont tendance à l'oublier, à perdre ça de vue. Mais n'oubliez pas qu'avant, dans ce pays-là, les frais d'inscription dans les écoles là, n'étaient pas les mêmes. Le fait que ça a été plus ou moins harmonisé, ça, c'est la FESI. En son temps, il y avait les questions de bourse. C'est la FESI qui a fait que c'est revenu. En 2000, c'est passé en 2016 ou bien 2000, en 2015-2016, pour ceux qui se rappellent qui étaient à l'université de Cocody, les gens s'étaient inscrits à la comptabilité, je sais pas comment on appelle ça au campus ici. Mais comme les gens ne maîtrisaient pas ce qui s'était passé, ils ont demandé aux gens de venir se réinscrire. La FESI s'est opposée à cela parce que les gens ils pouvaient pas payer doublement. Ça c'est l'une des choses. Dernièrement, c'est vrai que l'honorable député Asale Temoko était monté au couronné, il a fait des propositions au gouvernement, mais n'oubliez pas que le fait que les frais COGES aient été annulés, tout et tout ça et là, c'est quelque chose aussi qui est venu plus ou moins de la FESI. Donc, même quand tu as des griefs contre quelqu'un, l'honnêteté intellectuelle voudrait que tu reconnaisses qu'il y a des choses qu'il a fait de bien, même si ce qu'il fait de mal aujourd'hui peut poser question, peut interroger et peut nous amener à dire il faut l'enlever systématiquement. Mais est-ce que la FESI n'avait pas plus de mal que de bien, Daouda? C'est ce que j'ai dit en fait. Elle a fait, c'est-à-dire que tellement elle a fait beaucoup de mal aux gens, finalement ça a tendance à effacer le bien qu'elle a fait. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que elle est belle. Daouda, pas pour commenter l'image là. Je ne vois pas bien l'image, c'est petit, je ne vois pas. Jean Barou Magra, le visage des futurs cadres du pays là. Daouda, si toi tu es à la télé aujourd'hui, c'est pas dire que tu as une bonne conduite. Mais c'est ça ce que toi tu vois là, c'est ceux-là qui sont les futurs cadres du pays. Moi, je n'ai jamais vu d'un pays où les étudiants s'habillent comme ça pour marcher 1000 fois dans l'année, chaque fois, et marchent avec des visages fermés, en béret, comme les militaires dans les campus B. Et c'est ça la Ok, j'ai vu l'image. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi je disais que ta motion rejoint un peu celle de, comment on appelle ça, de Herman qui est descendu. Je t'expliquais qu'en vérité, il faut que vous arriviez à comprendre mon point. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dissoudre la FESI ou bien... J'ai dit, il faut la réformer. Parce que tu ne peux pas. C'est-à-dire que même si tu dissous la FESI aujourd'hui, elle va revenir sous une autre forme, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes personnes.
ma position à moi, et je la tiens, ça, vous pouvez l'enregistrer, la diffuser, où vous voulez. J'ai dit, il faut réformer la FESI. La réformer, pour moi, ça veut dire quoi? La réformer, c'est de revoir ses statuts et règlements. De sorte que, dans ses statuts et règlements-là, quand tu rentres à la FESI, comment on appelle ça? À l'âge, dès que tu atteins l'âge de 25 ans, quand tu atteins 30 ans-là, tu ne peux plus être membre de la FESI. Parce que moi, ce qui me choque, c'est de voir, paix à son âme, un sorcier qui avait 49 ans. Et je sais que Sié Kambou, il dépasse 35 ans. La plupart d'entre eux, là, ils ont la moyenne d'âge, là, c'est 35-40 ans. Donc, je ne peux pas comprendre que pendant que le plus jeune docteur a 20 ans... 55 ans, 55 ans aussi, il y en a là-bas, 55 ans. On continue. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un, le plus jeune docteur a 20 ans, et puis il y en a qui sont là, ils ont 45 ans, ils ont 50 ans, ils sont encore à l'université. C'est quoi le bail? Ils ont l'âge des papas de certaines personnes. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut la réformer. Parce que nous ne perdez pas de vue. Comment est-ce que la FESI a été créée en 90? Elle est née dans la clandestinité. Et dans la clandestinité, elle est plus nuisible que quand elle est dans la légalité. Or, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je pense que pour le pouvoir public, le fait d'avoir suspendu les activités de toutes les organisations étudiantines actuellement, c'est une très bonne décision. Mais la deuxième, l'étape suivante qu'il faut pouvoir suivre maintenant, c'est de réformer, donner des règles. Nous, là, aujourd'hui, toute la population ivoirienne, je n'ai pas de statistiques chiffrées de ce que je dis, mais quand tu écoutes ça et là, la majorité des Ivoiriens sont pour qu'on dissolve la FESI. D'accord, c'est vrai, les gens sont fâchés. Mais pensons au retour du bâton et allons vers la réforme des textes au niveau syndical dans les universités, dans les grandes écoles et dans les lycées et collèges. Voici ce que je dis. Sinon, ce n'est pas parce que moi, je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait là. Hein. Il y a des choses qu'ils ont dit là, c'est très grave. Je ne suis pas, pour pas qu'on aille dire que je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que les politiciens ont militarisé la FESI. À la FESI, quand il y a salut, salut comment? Ils saluent comme des militaires. Quand tu dis la photo que j'ai vue là, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On envoie nos enfants à l'école pour aller apprendre. On envoie à l'école, nos enfants à l'école pour qu'ils puissent apprendre quelque chose, comprendre les choses et sortir. Donc, aujourd'hui là, si tu l'as dissous, mais c'est que toi-même quelque part, tu es contre la constitution de notre pays. Parce que la constitution de notre pays donne le droit, il y a la liberté d'association. Mais cette liberté d'association-là, on peut l'encadrer. Et comme pendant des années, depuis les années 90 jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, aucun homme politique n'a eu les couronnes nécessaires, n'a eu le cran nécessaire pour réformer cela. J'espère que mon souhait le plus ardent, c'est que le président Alassane Ouattara puisse avoir le courage de la réformer, mais pas la dissoudre. La dissoudre. Cette histoire, en t'entendant parler cette histoire, André, vous avez beaucoup mangé là-bas. Hein, parce que chaque personne est direct. Vous êtes un peu gauche. Tout le monde parle un peu. Ramos, tu vois que je prends mon temps quand tu parles de t'écouter. Quand tu dis manger là, c'est-à-dire que c'est ce que je vous dis dans les débats là. Tout ne se résume pas au ventre. Peut-être que tu as faim, mais moi, j'ai pas faim. Peut-être que tu as faim, mais j'ai pas faim, moi. Faut pas répondre à l'enfant là. Faut parler pour tous les panélistes. Faut pas répondre voilà. À ça là. Il y a la beaucoup de choses qu'on veut parler. Il faut pouvoir réformer. Je te dis une motion si possible. Si possible. Hey, les gars, je dois aller au coup. Il est 11h40, j'essaie d'être tiré au coup. Dado, chuter rapidement. Il y a Yann Dobé qui est là. On écoute Yann Dobé, c'est important. Dado, chuter rapidement. On va écouter Yann Dobé. Voilà, donc très rapidement, John, mon point sur la question, il faut pouvoir réformer la FESI et pas la dissoudre. Parce que la dissoudre va envoyer ces gens-là à rentrer dans, comment on appelle ça, dans la clandestinité. Or, dans la clandestinité, on se rappelle des années 90, comment elle est née, comment elle a fonctionné et comment elle a résisté, comment elle a su se réinventer. La FESI, au-delà d'être une organisation, c'est un esprit. C'est un esprit. Même si hier, mon collègue m'a dit qu'on va prier Jésus-Christ pour frapper cet esprit-là. Mais vraiment, là, l'heure n'est pas assurée actuellement. Il faut la réformer et puis dégager tous ceux qui ne sont pas dans les normes, les sorties du système universitaire. Parce que les gens ont passé leur temps à rester sous le parapluie atomique justement à cause de ça. Ça a été sauté. Désormais, il faut refaire de bons textes. Pour que les gens s'en aillent. Donc, c'est sur ça que je voulais juste m'arrêter. Merci beaucoup à John. Merci à vous tous qui êtes là. Je sais qu'on est tous fâchés. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau.